La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et notre temps vivre bien, vivre mieux vous présente Marque Page. Bonjour et bienvenue dans Marque Page. Underwater est le livre dont nous allons vous parler aujourd'hui en compagnie de Jean-Marc Bourqui de Payot Libraire. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Il s'agit du premier tome de deux. Oui, c'est un diptyque qui nous propose de suivre une héroïne qui s'appelle Shimani. Au moment d'un footing à l'école, c'est la canicule, elle tombe dans les pommes, mais elle se réveille dans un monde plutôt étrange. Elle se réveille au bord d'une rivière, magnifique, idyllique, mais en même temps, ça lui semble familier. Et un peu plus loin, elle va découvrir un village qui est déserté, mis à part un jeune garçon de son âge et son grand-père, et elle va se rendre compte qu'il y a des liens avec elle et sa famille. Et petit à petit, dans l'histoire, on va faire des allers-retours entre le passé et le présent, et entre la réalité et l'imaginaire. Une des caractéristiques de cet ouvrage, c'est la qualité et la beauté du dessin. Oui, alors c'est là où c'est un pur plaisir. Le dessin est d'une finesse, d'une beauté incroyable. Cette collection de cet éditeur Latitude propose toujours des titres de qualité. Là, on a une couverture magnifique et effectivement un contenu qui est quasiment d'une beauté hypnotique. On n'a qu'une envie, c'est de se plonger dans ce monde et de pouvoir partager ce plaisir de retourner dans le passé. Merci beaucoup Jean-Marc. En tout cas, vous nous donnez envie de le découvrir, cet univers. Marque Page, c'est terminé pour l'instant. Mais nous reviendrons très vite vous conter d'autres histoires parce que nous adorons ça. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture, Payot et Notre temps vivre bien, vivre mieux, vous ont présenté Marque Page.